vraiment rien. Bon. Ça ne passe pas du tout avec ce leader qui nous a aujourd'hui. Moi, je suis membre de mon gourou, de ce Gaëtan Duval. D'ailleurs, j'ai même fait noter qui Gaëtan, tu es mon leader, hein, qui j'ai même noté qui Gaëtan, mon leader ou bien leader PMLT. Mais le leader actuel, c'est manière qui opérait ça. D'ailleurs, j'ai même démissionné en 2014. Moi-même, j'ai démissionné. Et aujourd'hui, on peut suivre un peu l'actualité. Depuis 2014, moi dans mon coin, moi pas cause du tout. On est écouté, on guetté. Pas que j'ai fait un tour une passée. Mais je ne peux pas vous dire où, ce qui étonne moi. Si je suis démissionné en 2014, parce que M. Xavier Duval, qui était dans le gouvernement, il est finalé parce que MMM, tu peux coûter pas de travail. Et mon président parti, il n'a même pas fait un bureau politique. Il téléphone moi, il dit, je viens de Getli, et moi, le Getli se dédipie là-haut sur la table. Il dit, je te connais, je suis démissionné. Je suis étonné. Comment mon président parti, mon prend ça l'emblème là, mon donne-lui, et ramasse le secrétaire général, mon petit président, mon petit diadi, quand nous venons faire sa réconciliation là, il faudrait qu'il parte là, les commandants de Yumbira. Mais, en tant étant le leader, lui, lui qui prenait le dernier mot, mais nous disons, Raman, lui avec moi, nous discuter. Nous mettons tout. Une affaire qu'il n'en a pour faire, après lui prend, gagne ce dernier mot, lui décide ce qu'il peut décider. Mais au moins nous courons. Mais après, bon, on va pas le rendre dans le détail, vraiment finalé, et on arrive ça. Non, non, non. Au sein de le vrai PMSD de Gaëtan Duval, c'était jamais comme ça. Gaëtan, tu tout le temps appelle ce bon camarade avant de faire quoi que ce soit. Il toujours me rappelle bon démission qui finit là, il toujours appelle nous avant. D'ailleurs, il fait tout le monde signer devant toi, après faire le kit réduit, moi, vous rentrez dans le détail là. Mais tout ce qui permet de faire, qui dit l'Alliance 83, qui dit l'Alliance 91, tout le temps Gaëtan cause avec ce bon camarade, après nous tous au courant quand on est pour Gaëtan. Mais avec celui-là, ça n'a pas étonné moi ce qui peut arriver là. Puis, quand les propriétaires sont partis, ils trouvent juste ça. Malheureusement, tout. On connaît. Aujourd'hui, moi, ça grain. Moi, je suis assemblé, moi. Je ne suis pas une photocopie. Mais les temps, je suis parti là aujourd'hui. Vous réalisez aujourd'hui, il y a 5 députés. Permettez, il y a 5 députés. Les finales dans l'élection travaillent. Ou il y a des circonscriptions comme qui est pit PMS de Penaïli. Pourtant, qui s'est même posé là-bas? Un Duval. Et pas n'importe qui Duval. Supposez le futur leader du PMS de à l'avenir, Adrien Duval, et qui finit député, grâce à Diagnat, finit député, et aujourd'hui, qui est pit orphelin. Et réellement, nous avons Michael Chicken qui décide de tenir. Et le temps où il y a 5 élus qui finissent élus dans l'Alliance travailliste. Hein? Couche à Lobin. Un bon garçon. Il est bien puissant. Est-ce qu'il est pour rester encore? Je ne sais pas. Hein? Mais je peux réussir à entendre moi. Parce que si vous êtes puissant travailliste, vous nous ici. Voilà, voilà. Et quand même. Qui savait pas qu'il les trouve même là avant. Ok? Après, moi, je viens de nos affaires même. Non! Oh, mince! Moi, franchement, je suis habite Pointe-Jab pour au moins 10 ans. Je ne pas finir qu'on en mange PMLD. Je ne pas dire qu'il n'y a pas de PMLD, pas que famille PMLD qui est dans Pointe-Jab, qui ne m'a pas une trousse tous les jours, mais je suis PMLD, ou bien dans un meeting, je trouve, dans une réunion, je trouve. Mais en mange, je ne pas connu. Par contre, Perrault, mon gars dit oui, ma famille Perrault finit toujours ma PMSD. Que reste? Reste Richard Duval. Après,
personne n'en resté. Xavier Duval, est-ce qu'il avait Duval en pièce? Ça n'a nous pas nous la question. Ah, qui fait me dire ça? Vous nous avez tout un monde là, je peux guetter ça 25 ans anniversaire, Gaëtan. Mais Gaëtan, vous avez couché dans ce caveau. Aujourd'hui, dit de Gaëtan Duval, ça. Mais vous connaissez qui traîne sa Gaëtan Duval là, la cour. Vous connaissez qui en 95, élection 95, si mon mémoire en Cobo. Xavier Duval, si le leader permet, il fait un parti, il n'est pas participe dans la campagne électorale, pas participe dans l'élection. Il trappe un pavillon rouge, il travaille contre moi dans le numéro 4, Maurice Allette. Il travaille contre Gaëtan Duval, dans Kerpip. Gaëtan, tu viens faire PGD. Gaëtan, tu as dit, tu pas aller, nous prenons permet, nous aller. Empêche-nous. En plus, Gaëtan, service à l'emblème Coquelin, nous parlons de l'emblème Coquelin. C'est. Ça y est pourtant. Il ne faut pas croire qu'il peut MSD. Là, Xavier Duval, devant le monde, c'est à cause de l'emblème Coquelin. Il faut qu'on ait un paquet du monde qui peut MSD parce qu'il est emblème Coquelin. Vous comprenez? Mais si y a du monde qui peut flatter Gaëtan Duval aujourd'hui, une traîne ni la cour, il empêche Gaëtan de servir l'emblème Coquelin, mais au cas où il y a une pièce. Non, soyons honnêtes. Vous comprenez? Écoute, c'est que permettez d'ailleurs, moi fin député pendant 10 ans, moi fin dans l'Alliance quand même. Moi, je ne vais pas le dire, est-ce qu'il est comme ça. Mais nous voulons être l'histoire, nous voulons être la réalité des choses. Quand il y avait Duval, d'ailleurs, moi je suis dans cette équipe-là, de me faire l'alliance avec Paul Béronzé, je me rappelle très bien. C'était après la mort de Gaëtan. Xavier Duval, pas d'accord du tout. Il m'a manifesté devant mon porte et tapé. Parce qu'il était fait un bureau par Timoroussien. Il fait un bureau et il avait du val pas capable de faire réunion. Et moi, j'habite Pointe-Sable. Là-bas, moi, j'ai une grande terrasse. Et moi, je peux faire un bureau politique sous le leadership de Hervé Duval. Et un jour, un ajout vient à moi, il s'est sur mon corps à l'époque-là. Vous pouvez faire un bureau politique là, mais Xavier Duval, vous venez manifester. Et tu viens manifester devant mon lapote et taper. Parce que, qui fait, Xavier Duval nous a sauvé, allez, passeport derrière, allez. Et, pas tu peux du tout, qui permet de mort avec ça. Et nous, qui nous peux dire, Gaëtan, tu dis, qui sont héritiers politiques, c'est Paul Béranzé. Vous venez d'y aller en plusieurs reprises. Maintenant, qui nous trouvait? Nous trouvons ça même Xavier. Si je démissionne aujourd'hui, nous trouvons ça même Xavier qui en 2014 nous donne une alliance avec Travailliste. Ram Goulam fait le ministre des Finances, permet de gagner ce quota qui. J'appelle ça quota, enfin, nous gagnons une nomination comme j'ai d'ailleurs. Moi-même, Ram Goulam, qui nous moins dans les pots. Et voilà, parce que dans l'élection, quand une élection vient, nous gagnons une alliance. Parce que. MMM peut accoster avec Travailliste pour aller dans l'élection. Et bien sûr, Travailliste permet de là. Tu pour là. Mais c'est bon, PMSD, pas tu pour gagner 30 tickets. On prend, tu prends Travailliste, PMSD, MMM. Travailliste, MMM, PMSD. Alors, j'avais du mal à démissionner sans me dire, moi, de dire, pas de me dire, sans appel à un bureau politique. Et moi, le président, qui m'a pris, qui l'a démissionné, qui l'a pris sur le délit, qui l'a mis là-haut, il dit, moi, tu connais mon démissionné, moi, tout ce garçon Adrien, là, avec maman de Kodabakas, dans ce bureau, et surtout qui l'a fait faire moi, d'une pièce moi, avec sa affaire Zano, rappel, et qu'il est en mode de gagner une explication, il dit, moi, soit tu démissionné, moi-même, pas gagner le temps, comment dire, qu'aujourd'hui, il m'a choqué. Et aujourd'hui, on a dans des élections avec Travailliste. Si on gagne 5 députés, c'est grâce à Travailliste. Ou même Xavier Duval, si on finit lit dans 4 bonnes. Parce que tout seul en 2017, on perd du cochon. Diagnat Findiali représente 5 sous. Comment on appelle ça une casse? Dessous, une casse, non, c'est une casse. Mais quoi, il n'y a pas vaut ça même là. C'est grâce à Travailliste qu'il est grand dans le Parlement là. Vous comprenez? Et là, aujourd'hui,
Et ce qui est pire, c'est que c'est Ramgoulam qui demande faire dignité pour nous. Soyons honnêtes. Et dans le gouvernement, du moins, nous dans l'opposition. Pour nous capables vraiment combattre le gouvernement. Mais vous avez une dignité de toute la bande de l'opposition. Et c'est Ramgoulam qui demande ça. Hein? Ramgoulam veut dire vous autres, allez, nous trappe tout du monde, nous mettons ensemble. Nous capables de travailler ensemble. Mais M. Béranzin, Pierre Oudéal, Divan, dit, mais ça, vos parents là-dedans, ça c'est MMM. Mais toi, PMSD, si tu es dans cette équipe-là, là, c'est parce qu'ils te finissent dans l'alliance avec Travailliste, et tu ne réussis qu'un député grâce à Travailliste. Donc, évidemment, non. Parce que garçon père n'est dit dans quelle pipe. Bastion PMSD. Pas n'importe qui. Place, bastion, s'il vous plaît. Ou donc, quand Béranger, il y a dit parler Ramgoulam, que tu as besoin de faire? Il dit, pas solaire là. Nous combattons ce qui vient combattre là-bas, puis donne la baguette ça quand, comme dit ça cause là. Quand tu arrives au pont, là tu te traverses. Et non, pas toi faire conférence de presse sans ton partenaire. Mais vous appelez ça. Ah, c'est là où je me suis étonné. Puis trois corps, ça va nous faire un MSD là. Hein, je vous dis, mais qui c'est ça, ça? Mais moi, pensez que dans l'autre démission, quoi, hein? Aussi, hein? Écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais maintenant, vous pouvez mettre tout dans l'esprit un peu des autres partenaires. Si vous trouvez là dans l'opposition, vous gagnez du monde qui est au partenaire, vous faites très tard. Mais qui va arriver demain? Qui peut arriver demain? On va le faire, il vient dans le pouvoir. Qui peut arriver demain? Vous comprenez? C'est ça qui est embêtant. Vous comprenez? Franchement, je suis en affaire là tous les jours. Je suis chagrin pour que je me de là, moi je n'ai plus là-dedans. Mais je suis ça de loin, je suis chagrin. Qui manière est capable de dire oui, moi je suis fidèle, et dans fidèle ou leader peut décider de lui. Et vous pouvez dans l'élection qui peut venir là. Fidèle lui, ce garçon, garçon, ce garçon, garçon, ce garçon, ce garçon, qui permet de. Mais pas les autres, là, pas pour vous non, ni ça. Après, on dit, ah, ça n'a pas été, parce que tu veux une ticket, tu veux une ticket. Ah, ça n'a pas été, parce que ça. Ah, nous perdons 7, mais nous n'avons plus beaucoup encore. Mais 4 sous, tu n'as pas beau, mais qui tu peux gagner en plus. Pour qu'il permette de garder ça, il faut nous dans l'alliance. Mais pas une alliance, tu sais, quand même. Quand nous sommes avec MMM, tu as votre délou pour venir mettre devant. Là, je ne sais pas qui est arrivé. Vous ne pouvez pas le rendre dans ce bâtiment d'affaires. Là, je ne sais pas d'affaires, mais tu dis à nous. Pas capable d'y aller avec Béranger, tout seul dans l'élection, électorat, pas pour d'accord. Vous comprenez? Là, nous avons le rôle de nous. Il y a toujours eu l'intérêt personnel avec ce leader actuel du PMLT. Est-ce qu'il peut vous regarder en face pour causer? Jamais il vous regarde en face. Ça, c'est un. Et j'ai appris là par quelqu'un, je ne peux pas vous dire qui, comment il est devenu leader de l'opposition. Il a fait croire qu'il ne voulait pas. C'est le Béranger qui lui a demandé, mais non. La personne m'a dit, moi je lui ai dit, pas prendre ça, peine moment pour toi le prendre ça là. Et il a dit, écoute, moi pas le gain de deuxième sens, une leader de l'opposition, 4 députés, 5 députés. Voilà la réponse. Voilà. Mais il connaît rien, il connaît. Il y a une bonne étoile. Hein. Il y a une bonne étoile. Est-ce qu'il a 4 députés ou 22 comme l'opposition est dans la travail, c'est à 12, mais même quand il y en a 8, et ça, ou tout, dans l'opposition 4 députés, hein, il y a une bonne étoile. Ça nous reconnaît, il y a une bonne étoile. Maintenant, il y a une bonne question, une PNQ, tout ça, je peux guetter, moi. Je trouve même le jour, Ivan Colanda avait lu, il y a un peu choqué l'étendue de tel PNQ.
que comment dire, tu crois que on dit à leader de l'opposition, tu peux centrer ça direct, mais leader de l'opposition, il me dit un député travailliste qui finit. Mais seulement, il y a un député qui va avoir un bypass. Vous connaissez qui a 20 colonnes dans le pays. Voilà un peu où nous sommes. Pour moi, il n'y a pas d'avenir avec ces gens-là. Mais seul jeu, Xavier, c'est Xavier. Ça n'a pas étonnement que vous trouviez le trap quand son diagnostic. Hein? Béranger, pourquoi il y a un bon partenaire là? Je vais prendre renseignement maintenant. Hein? Il n'y a pas de trap quand on a un diagnostic et il peut piler le diagnostic là. Ça dit Jean. Hein? Vous trouvez? On va se revoir avant les élections. Qu'est-ce qu'il va aller dire encore à son électorat? Et n'a pas quitté lui que jamais même. Pas pour donner notre banque encore qui pour quitter lui quand il ne peut pas prendre sa décision là. Oh.